Bonjour, je suis Pierre-Olivier Combel. J'ai le plaisir de vous faire visiter virtuellement mon exposition « Le chemin de la forêt ». C'est une exposition qui était destinée à être présentée à Versailles. Et puis, Covid oblige, les choses se font de façon virtuelle, moi étant en Amérique du Sud. Voilà, en tous les cas, ça sera une visite très simplifiée, puisque, comme vous le verrez, cette exposition qui a eu lieu en 2019 à Rambouillet, comportait énormément d'éléments. Et donc, dans l'espace de cette présentation virtuelle, je ne peux pas tout vous montrer. Donc, ce n'est juste qu'un aperçu, en espérant qu'un jour, cette exposition pourra être présentée réellement, physiquement, concrètement, un jour dans ma ville natale de Versailles. Voilà, alors effectivement, les choses sont commencées ici, dans le quartier Saint-Louis de Versailles, que vous reconnaissez peut-être, parce qu'il est la photo est prise du Bois Saint-Martin, qui domine tout le quartier Saint-Louis de Versailles. On aperçoit la cathédrale Saint-Louis, au loin, on aperçoit le château avec la chapelle, et puis le parc que l'on devine sur la gauche. Et alors moi, je suis né ici, dans cette maison, je ne sais pas si on la voit avec la flèche, là, cette grande maison, une grande demeure, une demeure familiale. Ma famille est versaillaise, du côté de ma mère, versaillaise depuis les années, je crois, 1870, 1880, par là. Famille de professeurs et puis d'officiers. Donc, cette Versailles a été pour moi mon berceau. J'y ai passé toute mon enfance, mon adolescence, et je me suis absolument passionné pour l'histoire de ma ville, l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, mais aussi la nature sauvage. Et les deux sont toujours allés de pair. Alors, évidemment, Versailles, c'est le château, c'est toutes les merveilles de sa ville, de son parc, etc., et que j'ai étudié avec, je crois, beaucoup d'érudition, parce que j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et alors, je n'en finissais pas, effectivement, de découvrir tous les aspects de cette histoire qui est tellement riche et tellement importante, puisque c'est quand même le grand siècle. Et ça m'a emmené effectivement très loin, très loin. Et si vous voulez, il y avait le Versailles visible, le Versailles du château, qui me paraissait toujours nouveau, parce que j'habitais le quartier Saint-Louis, donc j'allais à pied jusqu'au château, le parc avec mon chien, quelquefois à vélo, et puis je partais bien longtemps, quelquefois je rentrais, il était très tard, ça m'arrivait d'ailleurs de laisser mon vélo derrière la grille, et puis à certains endroits de passer par-dessus le mur pour pouvoir rentrer chez moi. Il y avait le Versailles visible, celui du château, celui des jardins, celui du parc, mais il y a également celui de l'histoire, vous comprenez, qui était invisible. Et j'avais l'impression que ce château, c'est une sorte de coquillage, vous voyez, qu'on colle son oreille à ce coquillage, et puis on entend la rumeur de la mer, on imagine les cris des oiseaux, le bruit des vagues sur la plage, etc. C'est exactement ça. Donc j'étais baigné dans cette histoire du grand siècle, à travers les lectures de Saint-Simon, Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, etc., etc., etc. J'avais une véritable passion pour la littérature du XVIIe siècle, le cardinal de Retz, et j'en passe. Et donc, c'était une sorte de... À travers le coquillage, dans le coquillage de ce château de Versailles, qui me ressemblait à une énorme coquille vide, puisque la vie en était partie, et celle des touristes, quand ils étaient là, ne l'a jamais remplacée. Eh bien, c'était toute cette rumeur de l'histoire de la France que j'entendais. Voilà. Alors, je me suis beaucoup intéressé à un certain nombre de choses, l'art des jardins, bien entendu, mais également la flottille de Versailles, puisque j'étais navigateur, donc le lien entre la mer et puis Versailles, ça a été la flottille de Versailles, sur laquelle j'ai fait des recherches, et sur lequel j'ai écrit un certain nombre de choses, j'ai fait des conférences, voilà. Ici, on est sur les parterres de l'orangerie, voilà, qui sont tellement beaux. Et puis, qu'est-ce qu'on aperçoit au fond? Eh bien, on aperçoit la nature plus sauvage déjà. Le château, et puis il y a les jardins,
Et puis après, il y a le grand parc, et puis après, la campagne, et puis après, la forêt. Et ben, donc, on va du plus civilisé, si vous voulez, vers le plus sauvage. Et après, on se rendra compte que le sauvage, comme on l'appelle, n'est pas si sauvage que ça. Au contraire, ce sont d'autres civilisations et d'autres époques. C'est ça, si vous voulez, le voyage à la fois dans l'espace, mais également dans l'esprit. Voilà. Donc, on aperçoit ici, au fond, vous voyez, là c'est une gravure de Lepautre, hein, c'est un détail d'une gravure que j'ai chez moi, avec cette citation de Cyrano de Bergerac que beaucoup de gens connaissent, surtout après le film avec Gérard Depardieu, là, heureux qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois. Alors voilà, donc mon parcours m'a emmené de mon Versailles royal jusque, et très très civilisé. Une certaine civilisation, en tous les cas la civilisation française qui n'est pas, Dieu merci, toutes les civilisations du monde, et ça m'a conduit jusque vers la nature sauvage, d'abord celle de ma ville, et de cette nature sauvage qui s'incarne pour nous, Versaillais, Yvelinois, je ne sais pas comment on appelle les habitants de l'Île-de-France, celle de la forêt de Rambouillet, voilà. Puisque nous avons la chance d'avoir encore de très très belles forêts. Alors évidemment, il y avait des choses qui me faisaient rêver dans le parc, notamment cette statue d'indienne. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prophétiques dans la vie pour ceux qui savent peut-être les sentir et les capter. Et moi, cette statue d'indienne me faisait énormément rêver. Et je pense que c'est à cause de cela que je me suis un jour retrouvé d'abord en Amérique du Nord. Et ensuite, après, en Amérique du Sud. Voilà, donc c'est quelque chose que Alexandre de Humboldt, que j'admire beaucoup, a exprimé dans ce texte que je vous invite à lire. Alors, il y aura beaucoup de textes dans cette exposition. Simplement, vous les lirez tranquillement en mettant sur pause. Alors, dans mon quartier Saint-Louis, il y avait également, dans une rue, il y avait ce pilier. Au rez-de-chaussée d'une maison moderne des années 1960. Et moi qui me faisais rêver, parce que c'était un homme arbre, vous voyez, cet homme qui est là avec des branches qui lui poussent sur le corps et il tient un nid dans lequel un oiseau est là en train de couver ses œufs. Pour moi, j'avais l'impression que c'était moi-même, vous comprenez? Pourquoi? Parce que je pense que j'ai grandi avec un amour, je vais dire, sans bornes pour la nature. Sans bornes, mais sans être du tout un misanthrope. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. J'ai 66 ans maintenant. Malheureusement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup à la nature et qui sont devenus misanthropes, ce qui n'a jamais été mon cas, bien au contraire. En revanche, j'ai toujours essayé de rechercher l'harmonie entre l'homme et la nature, quelque chose de très difficile, il y a quelque chose de très prédateur dans l'homme. Donc voilà, cette sculpture merveilleuse à 2 pas de ma maison, entre le bois Saint-Martin et ma maison natale, voilà, est quelque chose qui me fait rêver, qui peut-être, je pense, symbolise certainement tout ce que je suis. Alors, je me suis énormément intéressé à la préhistoire, toujours, 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 parce qu'on a la chance de pouvoir trouver des objets préhistoriques en se promenant dans les champs, surtout autour dans la région des Yvelines, tout simplement, surtout après la pluie, quand les silex brillent. Alors, ça m'a permis en 1994 de reconstituer le. Alors, disons, mon intérêt pour la préhistoire, mes liens avec l'équipe des préhistoriens du CNRS et, disons, mes voyages dans le Québec-Labrador avec les dernières bandes sédentarisées d'Amérindiens nomades du Québec-Labrador, donc m'ont permis de reconstituer en 1994 le camp préhistorique. De Pinzon, plutôt, à Pinzon, c'est au bord de la Seine, à Fontainebleau. Et le grand préhistorien Leroy Gourhan, y avait découvert un site de chasseurs magdaléniens, voilà, des chasseurs de caribous. Voilà. Et donc, c'est devenu une école de fouilles. Et en 1994, on m'a demandé de diriger la reconstitution du camp préhistorique magdalénien.
à la lumière de la connaissance du campement amérindien dans le Québec-Labrador, donc dans le campement amérindien et d'une manière générale dans la taïga. Voilà, alors si vous voulez, le lien entre Versailles et la France et puis la très grande forêt, parce que la forêt de Rambouillet, c'est une forêt où on peut se promener comme ça, quelquefois on peut y passer la nuit pour certains naturalistes, mais on ne peut pas y vivre. Hein. Il y a des gens qui y vivaient il y a très très longtemps, c'était les bûcherons, mais c'est plus possible. Et donc la forêt où l'on vit encore, il y a la forêt amazonienne bien entendu, mais il y a également cette gigantesque forêt du subarctique, la forêt de la taïga. Et le lien entre, disons, l'Amérique du Nord, l'Amérique plutôt, et la France et l'Amérique, ça a été Jean-Jacques Audubon, un Français qui était né en 1785 en Guadeloupe, d'un père officier de marine et d'une mère créole, et qui ensuite, au moment de la Révolution, a été ramené par son père en France, à Nantes, et qui s'est consacré ensuite, qui est revenu vivre aux États, qui est parti vivre après la Révolution, enfin, pendant la Révolution. Son père l'a renvoyé en Amérique pour échapper à la conscription. Il l'a envoyé en Pennsylvanie où il avait une propriété. Et Jean-Jacques Audubon, qui s'est fait appeler ensuite John Jeps Audubon, s'est mis à peindre les oiseaux grandeur nature, les oiseaux d'Amérique. Donc son œuvre est devenue fameuse. Et c'est le poète Saint John Peirce, que j'aime beaucoup, qui m'a mis sur la piste de ce peintre et naturaliste extraordinaire. Et en 1900, donc après avoir apporté ses journaux de voyage d'un séjour aux États-Unis, après avoir commencé à les traduire en français pour la revue Col Bleu, la revue de la Marine nationale, puisque j'ai travaillé plusieurs années au musée de la Marine, eh bien, je me suis lancé dans une expédition sur cette trace, puisqu'il avait fait un voyage en 1833 sur les côtes du Labrador. Alors j'ai été patronné dans cette expédition par le professeur Jean Dorst, qui avait été deux fois directeur du muséum, et qui est le grand ornithologue, membre de l'Institut, et qui, à ce moment-là, était directeur du laboratoire Mammifères Oiseaux. Et on voit là le professeur Jean Dorst, aujourd'hui décédé, devant la planche des faucons du Labrador, un gerfaut en phase noire que Audubon avait rencontré et peint sur la côte du Labrador en 1833, un exemplaire qui se trouve à la bibliothèque centrale du muséum. Il reste un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage monumental d'Audubon. Hein, ce sont 435 planches consacrées aux oiseaux d'Amérique et un des exemplaires reliés se trouve à la bibliothèque centrale du muséum. Voilà quelques-unes des planches qui ont été réalisées par Audubon au cours de son voyage en 1833 qui représentent là le pinson de Lincoln, une espèce nouvelle qu'il a découverte et décrite. Et ici, des lagopètes, des saules, dans ce paysage floral de la côte du Québec-Labrador. Voilà, donc ça donnait lieu, je suis parti sur cette trace en voilier sur cette côte du Labrador en 1989 avec toute une équipe, un peintre animalier, une équipe de cinéma. Nous avons fait un film et ensuite une exposition qui était présentée au Carré des Arts du Parc Floral de Paris, à Vincennes, et qui ensuite est devenue itinérante en France. Et donc l'exposition de Rambouillet en 2019 était une nouvelle étape dans cette exposition qui a déjà une très longue histoire et qui s'est enrichie au fur et à mesure de toutes les nouvelles choses que je faisais. Voilà quelques images de cette première exposition qui a duré plusieurs mois donc au parc floral de Vincennes, et dans lequel j'avais une trentaine d'animaux qui avaient été empruntés au Muséum d'Histoire Naturelle, placés dans leur décor naturel par les jardiniers de la ville de Paris qui avaient reconstitué tout un décor vivant, puisque l'exposition avait duré 3 mois pendant tout le printemps, et donc on voyait les arbres fleurir, etc. Tout ça a été arrosé, c'était une pure merveille. Voilà, il y avait des fenêtres. Le décor avait été fait par l'architecte du pavillon de la France à l'exposition de Montréal. Très belle exposition. Et donc j'avais eu l'habitude des expositions parce que j'avais travaillé 4 ans au musée de la Marine et donc participé à certaines expositions là-bas, notamment la Pérouse. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Une exposition permet aussi de rencontrer les gens, aux gens de rencontrer le créateur.
Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup, effectivement, dans cette virtualisation de nos activités aujourd'hui, mais j'espère que c'est quelque chose qui est provisoire et qui ne sera que complémentaire. Voilà, cette exposition donc, s'est promenée un petit peu partout, à Saint-Malo, pour le premier festival du livre Aventure et Voyage, et également à Bourges, elle est allée à Rueil-Malmaison, un petit peu partout. Voilà le salon du livre de Saint-Étienne, dans un gigantesque décor. J'avais tout le rez-de-chaussée de la mairie de Saint-Étienne. Ça, c'était l'année en 1990, voilà, automne 90. Voilà quelques images. Rueil-Malmaison également, vous voyez. En 2019, donc j'ai vécu entre, je me suis marié en 1995, mon épouse est péruvienne, donc la vie et la providence eh bien m'ont conduit vers l'Amérique du Sud, le Pérou et la Bolivie, et nous sommes revenus à un moment donné en France. Pour habiter à Aufargy près de Rambouillet, et en 2019 j'ai pu réaliser l'exposition que je rêvais, Le chemin de la forêt, pour exprimer mon parcours à travers la forêt d'un continent à un autre. Voilà, alors tout ça je l'ai résumé dans ce parcours, dans cette calligraphie que j'ai faite. C'était pas une chose facile. Sendao, c'est le chemin de la forêt, avec à gauche le caractère de la forêt et à droite le caractère de la voie. Alors le chemin de la forêt, c'est évidemment le sentier, mais c'est également la voie au sens spirituel, c'est-à-dire un parcours initiatique, comme par exemple dans le terme judo, aïkido, etc. Vous voyez, donc c'est quelque chose de spirituel. Voilà, donc l'exposition a eu lieu en mai-juin 2019 à Rambouillet, au centre culturel La Lanterne, avec un programme qui était très complet, puisqu'il y avait à la fois des conférences, conférences générales, également des conférences sur la forêt dans les films, dans la littérature, etc. Vous voyez ? Voilà le centre culturel La Lanterne, voilà l'entrée. Et l'exposition était placée sous le signe du Bazar Haoun, qui est un personnage et de Rue Betzal. Alors Rue Betzal, ici c'est plutôt Rue Betzal, c'est un géant des légendes germaniques qui vit dans les montagnes et dans les forêts et qui est le protecteur de la nature sauvage, protecteur des montagnes, protecteur des forêts, protecteur des humbles, protecteur des faibles, protecteur des pauvres. Voilà. Et puis un petit peu l'ennemi des bûcherons, évidemment, hein. Et on a l'équivalent au Pays Basque qui s'appelle le Bazar Haoun, qui est pareil, qui est un géant qui vit dans les montagnes et les forêts, et il y a toujours des fêtes au Pays Basque. On le représente sous forme d'un personnage fabriqué en écorce et en branche. Et alors voilà cette exposition dans laquelle j'avais reconstitué tout un campement, non seulement amérindien, mais je veux dire, c'était en même temps une sorte de souvenir du campement de nos ancêtres préhistoriques qui, pendant quand même des millions d'années, enfin centaines de milliers d'années ou beaucoup plus, ont vécu soit dans des huttes, soit dans des tentes de peau de renne ou d'écorce de bouleau, etc., dans toute la partie au moins du, comment dirais-je, boréal, vous voyez. Donc tout un décor avait été fait par les apprentis d'Auteuil du château des Vaux dans la région de Chartres. Voilà, donc toute une équipe de jeunes avec Paul Poulard, leur professeur, qui avait réalisé tout ce décor. Voilà, alors l'exposition commençait à Versailles, n'est-ce pas, avec des gravures. Des gravures de la ville de Versailles autrefois, et également des peintures, notamment des peintures et des dessins qui ont été faits par un de mes grands oncles qui habitait avenue de Paris, sa maison est toujours là, Gustave Lejar, et qui il faisait partie un petit peu de cette école de Fontainebleau, et alors il passait son temps, enfin une grande partie de son temps en tous les cas, dans la forêt,
dans les bois autour de Versailles pour peindre la nature et peindre également tous ces petits menus métiers, notamment des bûcherons, des charbonniers qui vivaient à plein temps dans cette forêt, tous ces métiers qui ont disparu aujourd'hui, vous voyez. Voilà mon grand-oncle Gustave Lejar. Alors je pense que j'ai hérité certainement d'un certain nombre peut-être de son état d'esprit. Alors c'est quelqu'un qui protégeait la résistance et qui cachait chez lui des aviateurs anglais qui arrivaient dans la région. Quand leur avion était tombé en flammes, ils tombaient en parachute et il les recueillait chez lui ou il les soignait avant de les confier aux religieuses voisines. Alors, l'initiation à la nature et la forêt, elle a commencé pour moi dans mon jardin, en observant les espèces sauvages. D'abord, j'avais un grand jardin, la maison appartenait à ma grand-mère et donc le jardin est toujours rempli de fleurs. Moi, j'étais un amoureux des fleurs c'est là que j'ai découvert la nature sauvage notamment en grimpant dans l'If, le grand If centenaire ou multicentenaire dans lequel j'avais découvert mes premières maisons jupées, je me rappelle. Et puis après le bois Saint-Martin où j'ai fait tellement de découvertes d'animaux sauvages les unes après les autres, ça demandait des années bien entendu, parce qu'après il fallait que je comprenne ce que j'avais vu, et ça c'était grâce aux livres. Donc on m'a offert des livres, des guides de nature, tout ça c'était dans les années 50 et 60, je suis né en 1955, et alors donc les livres ont joué un très très grand rôle dans ma vie, aux côtés de la nature elle-même, puisqu'elles m'ont appris à mieux connaître et comprendre ce que je voyais. Voilà. Alors, on n'a pas trop le temps de les détailler aujourd'hui, hein. Mais voilà, je les ai gardés tous, les livres de mon enfance, les premiers guides, etc. Mais il y a eu des auteurs qui ont compté beaucoup pour moi, c'était Jules Verne. Voilà, j'ai beaucoup lu Jules Verne. Et ça, c'est un épisode de l'île mystérieuse, vous voyez. Alors, effectivement, les héros de Jules Verne sont parachutés dans des endroits extrêmement lointains, très exotiques, et ils doivent se débrouiller avec toute leur science, leur intelligence. Voilà, alors évidemment, ce sont des ouvrages qui sont faits un petit peu à la gloire de l'ingénieur, de l'homme qui occidental, européen, qui connaît toutes les techniques. Malheureusement, on ne parle pas beaucoup d'indigènes, parce que c'est plutôt eux qui connaissaient toutes les techniques de vie dans tous ces pays-là. Ça, c'est une autre histoire. Alors, en tous les cas, Jules Verne m'a beaucoup intéressé. Et également, alors là, un autre auteur qui est fondamental pour moi, c'est Arseniev, qui est un russe, explorateur russe de l'époque des tsars, et qui a exploré la Mandchourie, donc la Sibérie orientale, à la frontière de la Corée et de la Chine, et en compagnie d'un chasseur indigène, un chasseur Gold, Derzhu Uzala. Alors Kurosawa, en 1975, en a fait un film magnifique qui s'appelle Derzhu Uzala. Mais si beau soit-il, si magnifique soit-il, de ce très très grand réalisateur qui est Kurosawa, eh bien le livre lui-même est une pure merveille. Il y a un des plus beaux livres que j'ai jamais lu sur la nature et sur cette amitié non seulement entre un homme et un chasseur indigène de la forêt, mais en même temps un livre sur la forêt elle-même. Puisque si vous voulez, peut-être que cette grande forêt de la Mandchourie est un petit peu le paradigme de cette forêt d'autrefois que nous ne connaîtrons jamais, que cette grande forêt préhistorique boréale dans laquelle toutes les espèces étaient mélangées avec une faune absolument extraordinaire. Alors, donc moi, toutes les choses sont nées pour moi dans les campagnes d'Île-de-France, et je rêvais surtout en voyant tous ces champs de colza, par exemple, ou ces champs de céréales, en voyant émerger des bois, à toute cette forêt ancienne, cette forêt des Carnutes dont parle César, vous voyez. Et vous comprenez, cette forêt n'existe plus, elle a été défrichée au temps néolithique. Mais quand je pense à cette forêt des Carnutes, je pense à ces chênes gigantesques qui
ses chaînes, ses charmes, également à tous ces bois sacrés, vous comprenez, qui étaient là depuis des millénaires et des millénaires. C'est quelque chose qu'on peut imaginer, mais qu'on ne peut plus voir. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai été émerveillé par tout ce que je découvrais au fil des années. Il a fallu de très très nombreuses années pour moi pour pouvoir comprendre, enfin pouvoir découvrir, pouvoir connaître toutes les merveilles de cette forêt qui sont réellement sans fin. Évidemment, il y a le spectacle des jacinthes des bois. Quelque chose de absolument de merveilleux. J'ai découvert mes premières orchidées, la platanthère à fleurs verdâtres, hein, Platanthera chloranta, avec son parfum extraordinaire puisqu'elle est pollinisée par les papillons de nuit. D'autres plantes également. Enfin, il y a les simples violettes. La précédente était la latrée, les violettes, les choses aussi les plus simples, les plus humbles. Ça, c'est la Véronique Petit Chêne, vous comprenez, c'est d'un bleu absolument extraordinaire. Moi, je ne suis jamais lassé de les admirer, de les photographier. Alors, j'ai des milliers de photographies de la forêt de Rambouillet, évidemment, et donc dans cette exposition, j'en montrerai quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Voilà, et alors la forêt, c'est pas seulement la forêt le jour, mais c'est également la forêt la nuit, avec les étoiles, avec les parfums, avec les cris des animaux, avec le brame des cerfs, effectivement, en automne. C'est effectivement la cueillette des champignons. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas montrer, parce que c'est quelque chose qui est sans fin. Je ne parle pas des grands animaux que j'ai découverts au fur et à mesure des années, les cerfs, les chevreuils, les sangliers, les renards, les martres, les fouines. Il faudrait beaucoup plus de temps que ça. Voici quelque chose de merveilleux pour moi, ce sont les jonquilles sauvages, ici à la lisière d'un champ, aux bordures d'une haie de chêne, pas très loin d'Offargy, vous voyez. Ce sont des choses merveilleuses que j'ai découvertes au fur et à mesure des années en revenant ensuite en France. Ça, c'est une feuille de lisier terminal, un arbre merveilleux que j'ai découvert un jour et sur lequel j'avais commencé à faire toute une étude parce que non seulement il était extrêmement beau, mais en plus j'ai découvert qu'il était extrêmement utile pour les animaux, mais également pour les hommes, avec un bois extrêmement précieux. Là, c'est une plume de jais. Vous voyez, des choses très simples, mais d'une merveilleuse à voir. Je ne suis jamais lassé, moi, de les admirer, de les ramasser, de les collectionner, de les conserver entre les pages de mes livres. Ça, c'est le pic noir. Je me souviens parfaitement bien la première fois que j'ai entendu, j'étais adolescent, un pic mort en forêt. J'ai entendu un cri très, très bizarre. Et puis ensuite, j'ai vu un oiseau de la taille d'une corneille avec la tête rouge et qui me dit « mais qu'est-ce que ça peut être? Ce n'est pas une corneille, ce n'est pas un merle. » Et c'est plus tard, en rentrant chez moi, que j'ai pu découvrir cet oiseau extraordinaire qui est pour moi une sorte de divinité de nos forêts. C'est une aquarelle, une gouache que j'ai faite sur une écorce de bouleau. Et puis la forêt aussi, ce sont des, vous voyez, quelques années... un renardeau blessé qu'un de mes enfants a découvert dans la forêt et que nous avons recueilli et qui avait été blessé peut-être par un chien ou un sanglier et qui a pu être sauvé par les vétérinaires de Maison Alfort et une équipe de bénévoles. Et ce sont aussi les insectes, les cicindelles, voilà, des longicornes, la grande sauterelle, les hygènes, le lézard vert. C'est également la déforestation depuis déjà de longues années avec toute cette forêt française qui est détruite pour envoyer le bois ensuite en Chine où il nous revient sous forme de meubles. Enfin, c'est un saccage
absolument sans nom, et tout ça fait partie, si vous voulez, de, à la fois de la privatisation du patrimoine français, et puis ensuite de la transformation de toute la nature en argent, puisque toute l'économie a été dévoyée et pervertie pour être remplacée par, pour remplacer, disons, la bonne gestion de notre patrimoine en profit pour certains. Et puis c'est également des chênes comme ce chêne foudroyé, vous voyez, en forêt de Rambouillet, foudroyé par et qui a survécu, ce qui aurait fait que certainement à l'époque de Gaulois, il aurait été considéré comme un arbre sacré. Et puis c'était la découverte un jour d'un merveilleux outil préhistorique dans les bois de Ville d'Avray, un couteau moustérien, vous voyez, fait par les hommes de Néandertal. Alors, un autre aspect de mon exposition, ça a été une grotte préhistorique du Mésolithique que j'ai découverte en forêt de Rambouillet, je ne dirais pas où, et que j'ai photographiée saison après saison. La voilà. Avec un profil de tigre extraordinaire, je l'appelle la grotte du tigre. Peut-être qu'elle a été occupée par des lions des cavernes, c'est très probable. Avec ses décors de rainures et de cupules, et ses croix qui ont été gravées peut-être par les moines, certainement après. Et alors, c'est une plante qui s'appelle le myrica et qui m'a conduit, qu'on trouve en forêt de Rambouillet, dans la région de Gambézeuil. Hein, c'est un arbuste odoriférant et que l'on retrouve dans tout le Cibartique et qui a été le lien entre cette forêt de Rambouillet et cette flore merveilleuse de la taïga que j'ai étudiée pendant des années puisque je suis devenu un spécialiste de la taïga côté canadien. Après, avec un certain nombre de publications, le voilà, le myrica, cette fois... cueilli sur les côtes du Québec-Labrador. Et tout cela m'a emmené, donc à travers mes expéditions pendant des années dans le Québec-Labrador, à la découverte de cette forêt immense, gigantesque, qui ceinture toute la partie nord du Golfe, pardon, de la planète. Toute cette forêt, si vous voulez, qui m'a relié à ma forêt des origines, c'est-à-dire la forêt de nos ancêtres préhistoriques en France, cette forêt que nous ne connaîtrons jamais, puisqu'il n'existe plus de forêt primitive en France. Vous voyez, et ça c'est un chemin de portage amérindien qui mène vers l'intérieur des terres, puisque, si vous voulez, les Européens, eux, dans les explorations, celle de Jacques Cartier, Robert Val, tous les autres donc, au Québec, les Vikings avant, les Basques, sont restés sur la côte. Hein. C'était les pêcheurs, c'est les chasseurs de baleines, mais l'univers des Indiens, c'était l'univers de la forêt. Et donc, c'est un chemin de portage qui m'a conduit vers cet univers extraordinairement mystérieux. Voilà des campements anciens. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de reconstituer dans cette exposition, vous voyez, qui était très vaste. Ce sont des motifs sur les gorges de bouleau montagnais qu'on va retrouver un petit peu partout dans le parcours de cette exposition. Voilà, et quelques images de cette donc taïga du Québec-Labrador, qui est une forêt primitive, hein, qui n'a pas été touchée par l'homme jusqu'à présent, surtout dans cette partie du Québec-Labrador qui est très vallonnée, avec finalement où la toundra succède à la forêt, mais les arbres sont de petite taille, sont dispersés, donc difficilement exploitables. Heureusement, parce qu'il y a quelques années, il y a une loi du gouvernement du Canada qui autorise l'exploitation sans aucune contrainte et aucune compensation de toute la nature sauvage à partir du 48e parallèle, ce qui est une espèce de catastrophe et qui montre bien, si vous voulez, l'ignorance totale dans laquelle
j'allais dire, l'homme des villes, et, que ce soit le politicien ou l'homme d'affaires et de la nature réelle. Alors, dans mon exposition, vous voyez également des œuvres de peintres animaliers qui m'ont accompagné, Jean Chevalier et Serge Nicole, des aquarelles et des aquarelles originales présentées sous vitrine. Écureuil, voilà une trace de loup, vous voyez, donc après avoir rêvé des loups pendant des années en France, eh bien, j'ai entendu mes premiers loups et vu leurs premières empreintes. C'est un animal extrêmement élusif, hein, on le voit très très difficilement, mais là-bas il était omniprésent. Voilà une trace ici. Là. Voilà donc cette nature sauvage avec des lichens qui étaient millénaires. Millénaire, une nature qui n'a jamais été détruite par l'homme, puisque les Amérindiens simplement chassaient, pêchaient, cueillaient les fruits sauvages. Ça, c'est une labradorite au milieu de thé du Labrador et qui reflète ces aurores boréales qui sont quelque chose de fantasmagorique dans tous les pays du Grand Nord. Voilà, ces lichens extraordinaires. Arethusa bulbosa, qui est une des plus belles orchidées que j'ai eu l'occasion de voir dans les tourbières du Québec Labrador. Vous voyez les portages en canot et le campement. Vous voyez quelque chose qui, moi, m'a aidé à... Je me suis passionné pour l'histoire du campement et j'ai passé des années de ma vie sous la tente. Et il n'y a rien que j'aime autant que de dormir sous la tente au contact avec la nature. Et c'est quelque chose qui m'a relié pour moi à tout ce passé extraordinairement lointain, vous comprenez, qui était celui de nos ancêtres pendant des centaines de milliers, des milliers d'années, et qui fait partie de notre moi archaïque, vous savez, comme dit le grand penseur Carl Jung. Vous voyez, parce qu'il y a en nous quelque chose d'extrêmement ancien et qu'il est très difficile de connaître, sauf par certains moyens. Voilà, ce sont mes compagnons. Mes compagnons amérindiens, puisque je me suis donc consacré à l'étude de ce Québec Labrador. J'ai fait de l'ethnobotanique, j'ai fait de la toponymie amérindienne, vous voyez, tout ça en voyageant et en campant, m'intéressant à tous les rites de chasse, et puis en même temps à toute la culture indigène, et je le répète, qui pour moi me permettait de me relier à, comment dirais-je, à nos ancêtres préhistoriques. Voilà, ça, ce sont des racines de sapin et qui permettent d'attacher un petit peu tout dans la forêt, vous voyez. Il faut savoir se débrouiller. On part pendant des mois et des mois et il faut savoir chasser, pêcher, savoir fumer le poisson. Ça, ce sont les anciennes huttes en écorce de bouleau et qui sont pratiquement les mêmes dans toute la Sibérie, en Laponie, et qui étaient vraisemblablement à peu près les mêmes chez nos ancêtres préhistoriques français, européens, et qui pouvaient être recouvertes soit l'écorce du bouleau, il faut encore trouver des bouleaux qui soient assez grands pour ça, ou avec des peaux d'animaux, par exemple de rennes. Voilà un petit peu cette exposition dans laquelle il y avait beaucoup de vitrines avec des objets personnels. C'était un peu ce qu'on appelle des cabinets de curiosité, vous voyez. Donc, je suis un collectionneur et puis je me suis rendu compte d'ailleurs, en m'intéressant beaucoup préhistorique, que les hommes préhistoriques étaient aussi des collectionneurs. J'ai trouvé, notamment dans les Andes, dans des sites extraordinaires laissés par les hommes préhistoriques il y a environ 10 000 ans, des cristaux, des objets qui vraisemblablement avaient été collectionnés par eux parce que ça les avait intrigués. Donc je pense que ce côté collectionneur de l'homme est quelque chose d'extraordinairement ancien. Et puis vous trouvez quelque chose, et puis vous posez les questions, vous le gardez, vous le montrez, vous l'échangez, et puis vous posez des questions, qu'est-ce que c'est, quelle origine. Donc vous inventez des histoires, des explications, après la science s'en mêle, etc. Après, on n'en finit plus, vous voyez. Et après, les collections deviennent des musées, vous comprenez, après, deviennent l'objet
de recherche. Et donc, après, vous avez des savants, vous avez des chercheurs, etc., etc. Vous voyez. Dans tous les cas, la collection est quelque chose qui est extrêmement ancien et qui vient carrément de la préhistoire. Alors, mon exposition, eh bien, elle se terminait par une évocation de la grande forêt amazonienne à travers son versant, puisque j'ai vécu 4 ans en Bolivie. J'avais un projet de jardin botanique avec mon épouse à Sorata, entre le lac Titicaca et le versant amazonien. Et donc, mon parcours m'a entraîné vers... Là, c'était la partie consacrée à la forêt, une évocation de la forêt tropicale, à travers des images, à travers tout un décor aussi de plantes tropicales. Et alors, nous sommes avec mon épouse Katia Malatasso, qui est biologiste de formation. Nous sommes passionnés très intéressés. Nous avons étudié la maca, qui est une plante de la famille du navet, cultivée depuis des millénaires dans les Andes centrales du Pérou. Et nous l'avons réintroduite en Bolivie, près du lac Titicaca. Et dans une petite ville à côté, sur le versant amazonien, derrière l'Iampu, qui est ce sommet qu'on aperçoit là, nous avons créé un projet de jardin botanique. Alors, ça, c'est un teint, vous comprenez, qui a bien exprimé dans le Temple du Soleil, ce passage comme ça vers la forêt vierge amazonienne, sauf que c'est une transition qui ne se fait pas aussi brutalement, qui se fait de façon très, très progressive. Et alors donc, nous sommes tombés amoureux d'un coin sous le versant amazonien où nous avons essayé de développer un projet de jardin botanique. Malheureusement, si vous voulez, les insurrections, la politique s'en sont mêlées et nous avons dû abandonner ce projet. On y trouvait dans cette région les fougères arborescentes, enfin quelque chose, il y avait des ours à lunettes, enfin c'est quelque chose, tout un domaine extraordinaire. Et des plantes comme celle-là, vous voyez, qui est le lin Nouvelle-Zélande, son nom français, qui est une plante que j'ai découverte et puis qui m'a entraîné sur la piste des Maoris, puisque c'était vraisemblablement une plante sur les hauteurs du versant amazonien qui avait été domestiquée par les Maoris et introduite peut-être au temps incaïque dans les Andes de Bolivie. Vous voyez, donc j'ai fait beaucoup de découvertes qui m'ont entraîné vers toutes sortes de perspectives. Voilà le logo de notre jardin botanique. Malheureusement, un projet qui a dû être abandonné, mais je vais peut-être essayer de recréer virtuellement au moins. Et puis, certaines choses, vous voyez, pour terminer, pour dire que un petit peu les découvertes sont sans fin. C'est une fougère du carbonifère fossile que j'ai découvert dans les Andes centrales du Pérou en faisant des recherches sur la maca à plus de 4000 mètres d'altitude, à 4300-4400 mètres d'altitude. Et au milieu des touffes de graminées, j'ai trouvé ce fossile qui était en deux morceaux différents. J'ai trouvé une pierre, j'ai trouvé le premier, puis après j'ai trouvé le deuxième, et puis je me suis rendu compte des années d'après, parce que je n'ai pas pu faire l'identification tout de suite. Il a fallu que j'attende très 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 longtemps, presque 20 ans pour faire l'identification. C'était une des premières plantes au temps du Carbonifère, d'environ 350 millions d'années, et à l'époque où même l'Amérique actuelle n'existait pas, parce que c'était le Gondwana, une espèce de supercontinent. Et alors, quand j'ai découvert ça et que je me suis mis à rêver à cette flore préhistorique, je me suis trouvé transporté par la magie de cet objet dans ma main à cette forêt extraordinaire du Gondwana, et en me posant la question, mais qu'est-ce qu'était l'homme à cette époque-là, vous comprenez ? Voilà, donc ce sont des choses que je développerai peut-être dans d'autres conférences par la suite. Voilà la fin de cette exposition que j'espère un jour présenter à Versailles sous une autre forme, puisque à chaque fois, effectivement, mon exposition se modifie au gré des espaces dans lesquels elle s'installe et puis des découvertes que je fais jusque-là. J'adresse également un dernier remerciement aux apprentis d'Auteuil qui m'avaient aidé à réaliser le merveilleux décor de cette exposition à Rambouillet, en espérant qu'un jour, peut-être qu'un jour, qui sait, nous pourrons refaire ça à Versailles quand la pandémie du Covid sera terminée. Voilà, avec toute l'équipe des apprentis d'Auteuil du Château des Vaux près de Chartres.
Et voilà, et je vous laisse découvrir toutes ces pensées qui m'ont accompagné un peu partout dans ma vie, de voyageur, de naturaliste, de marin, d'un continent à un autre, de français d'outre-mer, de français coureur de bois et d'un français qui, en admiration sans cesse, j'allais dire, devant les merveilles de la nature et devant également les merveilles de l'humanité.